là, gros bichette à l'air. Oh putain, le con. Ah non, je tombe. Oh putain, elle est là. Ça va, toi? De ce que c'était pas prévu. J'ai vraiment stream comme ça au hasard parce que le jeu était chargé ce matin, hein, bichette. Hein. Ça, on l'a vu 4 fois donc je vais zapper. Vas-y, du coup, voilà. On s'en fout. Oh putain! Connexion serveur autolog. Je m'en fous, je ne joue pas en ligne. Je m'en fous. Bah carrière comme d'hab, t'as vu. Ça va bichette et toi? Moi ça va tranquille hein. Ça se passe tranquille. On verra après le 10 août quand je serai vacciné si je me transforme en anti-chine. Je me transforme en cavité oculaire. C'est quoi ça? Vous là, si je me transforme en djinn, je viens vous hanter. Je vais venir vous faire chier. Toi et Seb. Et Teddy. Puis d'autres. Aïe! Oh, pas mal, pas mal! Oh, pas mal, bichette, t'es vraiment très bien! Après, on sera obligé de faire des enquêtes, hein, parce que tu seras en quête de réponse! Oula! J'aimerais masteriser le jeu, j'ai l'impression de jouer à un jeu mobile. À certains moments. Voir les Need for Speed qu'il y avait sur téléphone à l'ancienne. Ça, il est cool. Ah, d'accord. J'allais dire que je vais foncer dedans. Oh, j'ai loupé la notif, je fais le ménage. Oh putain, il fait le ménage. Bah bon courage. J'écoute le djinn, Lévis, le saint djinn. Le son du quai, mais un poil fort, mon bad. Ah bah je vais baisser ça. Ou après, attends. C'est normal, bichette. Je viens de commencer à streamer, du coup, le flux de ma voix il va être bas et après d'un coup ça va augmenter. Donc attends d'ici là, ça fait 6 minutes bah d'ici peut-être dans quand ça fera 10 minutes 10-15 minutes on va dire. Si ça change pas redis le moi et je changerai. Et logiquement c'est le flux au départ, c'est la dernière fois qu'il m'a dit la même. C'est au départ sur Twitch, c'est tout doucement. J'aurais dû allumer mon micro dès le départ. Et après tu vas voir que ça va couvrir le jeu. C'est sur Twitch, ça a toujours été comme ça. Le Saint Djinn. Ah putain, je te jure. Et le pire de ça, c'est que il se dit rebeu maintenant, putain. On aura tout vu, on aura tout vu. L'interception a été équipée d'un mécanisme de pose de Hertz. Dès son activation, cette arme souvent fatale Ah mais ça je sais, les Hertz, j'en ai déjà posé, t'inquiète. Eh oui, malheureusement. On m'a toujours dit que la connerie n'avait pas de limite, et bah là j'ai la preuve humaine devant moi, pas face à moi.
Je me demande s'il a pas été vacciné de temps en temps, tu vois. 332. Chaud. 365, ça. Non, 332, 365. 332, 305. Vas-y, bah, je vais tester la L là. Je vais tester. Il a dû recevoir plusieurs. Ah, mais ouais, mais là, c'est même sûr. Non, mais c'est chaud quoi. Après, tu vois, c'est comme si moi je te disais demain. Vas-y, t'inquiète, je suis rentré dans un délire, mais en fait, depuis le début, je vous ai pas dit. Mon daron, il est hindou. Donc je me convertis au bouddhiste ou je sais pas quoi. Enfin bref, excusez-moi, je connais pas les religions. Tu vas dire, tu te fous de ma gueule, mec. On te connaît, t'es un pur blanc, on fait pas le mec. Non, bah non, bah de toute façon, non. Bah j'ai dit dès le départ, enfin j'ai dit dès le départ. Voilà, moi je l'ai dit quoi. Deux secondes, j'essaie de l'arrêter, parfait. Allez, biche, manche dans ta race. À toutes les unités, 1067 vaccinés. Je répète, vous pouvez sortir les airs. Merde, j'aurais dû mettre l'air. Elle a rien dans le cul, la bagnole. Une fois, il a subi pas mal de dégâts. Oh, le fils de... Oh, il a ressorti chinois, c'est plus de quand même. Allez, bitch, mange ça. Salut, Evan, j'espère que ça va. Le commissaire Metco, exactement. Mais attends, je vais te répondre. Du coup, tu m'avais dit, tu fais plus chier avec ta caisse, je suis Portugaz. pour répondre, Bichette, non, parce que de toute façon, il a, comme t'avais su, comme j'avais dit à Seb, ou toi, je te l'avais dit, je sais plus. Tu vois, il a appelé tout le temps, mais comme je disais, arrive un moment, j'avais encore mon téléphone sur mon compte à moi, tu vois, sur mon compte bancaire, moi, sachant qu'avec le taf et tout, ils m'ont fait chier, donc ça fait que des moments, j'avais pas la thune sur mon compte, donc il coupait le téléphone. Donc ça fait que c'est comme si que mon téléphone était éteint quand je tombais direct sur ma messagerie. Donc tant que je le mette sur le compte d'Emeline et que ça le fasse plus, et bah il a dû essayer d'appeler et tout, donc il a cru que je lui mettais une crampe. Oui, moi ça va, Evan. Je sais pas si je t'avais posé la question, ouais, je sais pas comment ça va. Et du coup, il a dû croire que je lui mettais des crampes, mais sauf que je lui mettais pas des crampes, hein, c'était pas volontaire, hein, c'est juste que mon téléphone était réellement coupé. Hein, y a pas que lui que je pouvais pas répondre, même ma soeur s'inquiétait. Et quand j'ai récupéré mon téléphone, donc bah il a continué à appeler et tout, donc bah je dis bah écoute là ça va être chaud et tout, tu vois voilà la thune et tout. Au départ tu vois je me prenais pas tête, je voulais vraiment, tu vois je voulais payer, même elle était pas d'accord. J'ai dit ouais t'inquiète, attends et tout, je vais te passer la thune. Puis à la fin, tu vois j'en parlais avec Emeline, elle prenait le mort, elle dit non on n'a pas à payer, c'était merde, nous quand on a eu la voiture, on a eu des frais à faire, on a rien demandé et tout. Et après je dis bah c'est vrai, dans ce sens on a raison. Que sa mère, franchement, la vérité, la caisse démerdée, la voiture, elle l'a voulu, il l'a eu, hein. En bas. Et du coup, bah voilà quoi, je lui dis, bah écoute, bah là c'est chaud tout, hein. Puis du coup, après, elle a continué à appeler, donc du coup, à la fin, je décrochais même plus. Je lui ai dit, l'autre, il persiste, il a pas compris, ça me saoule. Et un jour, il l'a appelé, elle a répondu, elle a dit, écoute, bah là non c'est bon, fais-moi, je comprends pas pourquoi je dois te passer les sous et tout, alors que toi, nous on a eu la batterie, les pneus ont changé, on a pour plus de 300 balles, bah donne-nous trop plus de 300 balles. Ah il répondait plus. Il répondait plus. Donc du coup, Emine elle fait bah non mais ça marche comme ça, fais moi aussi, elle fait tu me donnes des sous, fais moi, il me faut moi, voilà quoi, les pièces je les ai payées quoi. Après elle fait non mais tu comprends. Comment dire,
Là, il fait chaud, donc il faut la clim. Emmen, elle chasse pas très bien, mais elle fait, nous, on a eu des frais à faire, on sait nous qu'avons payé, quoi, c'est pas quelqu'un d'autre. Et du coup, attends, je remets bien mon oreillette, et du coup, bah après, il devait le rappeler, bon, en fait, on a zappé, puis bah du coup, à partir de là, bah voilà, on a lâché l'affaire. Donc après, comme je dis, si un jour, il devrait faire une vidéo là-dessus, ou même ramener sa gueule contre, sur mon sujet. Ouais, j'assume. La vérité, oui, à la fin j'esquivais parce que j'avais pas envie de répondre et de faire face à une discussion stérile. Le mec, il avait pas. Je sais très bien qu'il allait me prendre la tête parce que à chaque fois, même si tu lui mets la vérité en face, et il arrive toujours à dériver sur des petits mots gentils, à dire ouais, mais t'as vu, tu comprends. Et après, tu comprends. Moi, la BM, franchement, je te dis la vérité, tu me l'as passé. Il y avait trop de vis dessus, mon pote. Donc, moi, je me suis démerdé avec. Donc, moi, j'ai jamais rien dit. Toi, tu te démerdes avec ma voiture, point barre. C'est comme ça. Mon pote, tu viens. Tu me prends, t'assumes. Surtout que, comme a dit Meuning, Glenn, il te l'a dit. Il a lâché dans l'état. C'est pas genre. Il t'a mis un coup de couteau dans le dos. Bah, bien sûr que c'est les premiers esquivés. Et du coup, tu vois, ça a dit Meuning. C'est pas comme si Glenn t'avait mis un coup de couteau dans le dos. En fait, il te l'a dit. Il a vend dans l'état, mon pote. Donc, ça veut dire. Les frais sont à ta charge. Voilà. Et du coup, bah après, bah voilà, après ça s'est zappé et tout. Après, je l'avais en parlé un peu à Seb. Après, je m'étais aperçu que ça commençait à se barrer en couille parce que du coup, quand j'avais été sur son Discord, bah, j'avais plus la modération. Je vais sur comment dire YouTube, bah je l'avais pas. Tout ça. Enfin, en vrai, je s'amusais à faire des petits détails mesquins. Du coup, ça a fait ah, vous voulez jouer à ça? J'ai pris Snap, je les ai tous supprimés. Numéro de téléphone supprimé. Discord bloqué. J'ai viré tout. Et YouTube. Désabonner, tout supprimer et même supprimer le lien de sa chaîne, comme ça tu vois, il retombera plus dans mes recommandations. Donc nique ta race, donc j'ai tout supprimé. Voilà. Et après, ce qui me fait rigoler, c'est qu'il y a du monde qui s'est amusé à venir me voir et qui m'ont dit: t'as été ban de la TDV. J'ai comment ça? J'ai dit: non, je suis pas été ban, je me suis désabonné quoi. Ah non, 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 hier Daki dans son truc il a dit: t'as été ban et tout. Encore une fois. Un mensonge. Donc j'ai déjà un truc. C'est pas de ma faute si le mytho dans leur vie c'est important ou ça fait partie de leur gène. Moi perso, je suis pas un menteur. Donc moi je dis la vérité. Ils m'ont pas ban. Après si ça les fait mouiller ou ça les fait bander, ils se tirent une queue dessus. Vas-y, dis ce que t'as fait. Même si tu veux, dis à tout le monde que tu m'as engueulé, que tu m'as mis un tac dans la gueule et puis que je suis en PLS. Si ça peut t'aider à dormir. Invente-toi une vie! De toute façon, t'es plus à ça près. Donc, comment j'ai envie de te dire? T'es plus à ça près. Donc, invente-toi une vie! Moi, je m'en fous. Ça me gêne pas du tout. Tu sais, moi, du moment que ça me touche pas mon cul, je m'en bats les couilles en vrai. Réellement. Fut une époque, j'aurais pété un câble, j'aurais voulu des gestes. Là, en espace de 3-4 mois, je m'en bats les couilles. Maintenant, je m'en rêve à un moment, je me dis, ouais, je le laisse dans 5 embrousses de merde et je m'en bats les couilles. Ouais, peut dire ce qu'il veut sur mon dos, écoute, moi comme on dit, hein, fais de la pub, parle sur moi, ça fait de la pub. Je m'en fous. Moi je sais ce que je vaux, et je sais d'où je viens, voilà. Moi je sais que ma mère c'est une blanche, française, je sais que mon père c'est un blanc, mais pas français. Donc ça je vous en ai parlé plusieurs fois, et de toute façon je montre mon état civil, je peux pas m'étonner là-dessus. Mais de là mon pote à dire que t'es un rebeu alors que tu t'appelles Alexis Allard, arrive à un moment mon pote, t'as vraiment pas de race quoi. Là tu cherches vraiment à t'affilier à quelque chose qui est même pas du tout dans ta religion quoi. Donc même s'il en a une, j'en sais rien. Mais là mon pote arrête, là tu vas trop loin. Là tu vas trop loin. Donc ouais, je m'en bats les couilles après qui nique leur race, je m'en fous. Cela il va trop loin. Mec, enfin voilà quoi, moi je pourrais pas m'enfiler une vie comme ça quoi. Merde. C'est chaud. Là, je me dis que là, franchement, il y en a qui sont déçus de lui. Puis il n'y en a pas qu'un. Moi, je l'ai cru comme ça. En fait, il est loin d'être comme ça. Et je m'aperçois que c'est un mytho. Même dans son entourage, c'est un mytho. Donc, moi, ce que je dis, franchement, et que si il regarde la vidéo, écoute-moi bien, espèce d'enculé. C'est que, franchement, j'espère que ta famille, elle se protège de toi. Parce que t'es néfaste, mon pote. T'as un cancer. Donc, franchement, même pour ta famille, t'es dangereux. Donc, la vérité, tête de ma mère, j'espère que ta famille, elle va te mettre trichard à un moment. Comme le Covid, mon pote. Il y a un vaccin pour ta gueule. Parce que la vérité, mon pote, t'es qu'un gros enculé de ta race, voilà. Et je te dis bien, viens si tu veux, je te crache à la gueule.
Voilà. Je m'en bats les couilles. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est un putain de mytho. Et il mériterait de se péter la gueule. Et que la vérité sorte au grand jour. Devant tout le monde. Voilà. Moi, je m'en fous, moi, de ce côté-là. Tu sais quoi, c'est lui qui se retrouve dans la merde avec une bagnole. Je sais pas s'il a fait la carte grise de Mactu, j'en sais rien. Et moi, sa BM de merde, elle a été vendue. Maintenant, je me retrouve avec une voiture en leasing. Fini les problèmes. Donc maintenant, tout ça, c'était une étape, c'est passé dans ma vie, je m'en bats les couilles. Là, tout ce que je sais, c'est que maintenant, lui, j'ai tiré un trait. Quand je vois les nombres de mythos qui sortent et tout, vas-y, laisse tomber. Non, je peux pas. Non, là, franchement, je peux pas. Clairement, là, je peux pas. Là, c'est. C'est chaud. Là, le mytho, là. Oh non. Je veux bien être gentil, hein, franchement, je dis pas. Hein, tu vois. Après, il y en a qui m'étonnent parce qu'ils veulent se donner un style, tu vois, une vie. Après, voilà, ils ont besoin de ça parce que leur vie, elle est triste. En se calant, encore, je peux comprendre, mais encore, le mytho, c'est pas bien. Mais là, de mythonner comme ça, oh, wow, c'est chaud. Oh, je suis robeux, quoi. Ah, oh, d'accord, ok. Horacio Pagani et son équipe ont réalisé une œuvre d'art capable de dépasser les 350 km/h. Créée dans le studio Pagani. Ah, mais c'est clair. Mais le pire de ça, bichette, c'est que les gens qui sont venus rechercher à pas leur nom, parce que j'ai pas envie que ça retombe sur eux. Mais les gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit ouais, et t'as bagné et tout, j'ai été voir la vidéo, la vérité. Mais l'autre, le pire, la personne qui le dit, c'est la personne la moins bien placée, quoi. Tu vois, c'est Daki. Le mec, je l'ai jamais vu. Réellement, j'ai jamais côtoyé face à face. Le mec, j'ai dû lui parler 2-3 fois via Snap. Donc lui, il me connaît même pas ma vie. Puis il me dit quoi, il ose dire quoi, il y a un manque de respect. Mais ferme ta gueule, toi, mec. Tu me connais même pas, parle pas. Espèce de trimard, ouais. Mec, ça fait 3 ans, il dit il va chercher du taf, il est toujours chez ses parents, ferme ta gueule. Mec, il ose dire il y a un manque de respect. Puis bah, toi, de ton côté, il y a pas un manque de respect aussi. Ça se dit franchin, y'en a aucun qui a bougé son cul pour avoir mon gosse. Bah, nique ta race. Mais bon, on rêve à un moment, voilà quoi, c'est pas que dans un sens, hein. On va peut-être réviser les. Comment dire, le sens du respect et surtout. Comment dire, que dans l'amitié comme en amour, les sentiments, c'est pas que dans un sens, mon pote. Hein. C'est dans les deux. On va prendre les gens pour des cons. De toute façon, je sais, hein, il passe son temps à tuber les gens. Donc, moi, je m'en bats les couilles. Après, je vais dire un truc, je vais dire ce qu'il veut. Et après, s'il a envie de perdre du temps à venir, viens. La porte est grande ouverte. Vas-y, viens. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, je sais que j'ai rien à me reprocher. J'ai des droits et tout. Je vois que je me suis fait baiser la gueule et tout par un gros mytho. Ouais, c'est bon. La chatte, c'est un. Ouais, c'est bon, moi, Daki, je crois que c'était le mieux des trois et tout. Enfin, le mieux des trois, le plus cool des trois et tout. Mais en vrai, le mec, là, il ose parler comme ça sur mon dos. Mais je te connais même pas. Même moi, je pourrais pas me permettre de parler sur son dos. Je le connais même pas. Réellement, je le connais pas. Tu vois, je l'ai jamais vu, lui, en vrai. Après, comme je dis, tu vois, j'ai quand même du respect. Moi, je sais que. Bah ouais. Mais après, comme tu vois, j'en ai parlé avec Kills. Tu vois, j'ai dit, moi, je parle de mon propre expérience. Moi, je le dis, depuis que je le connais, j'ai quand même fait des découvertes. Donc, d'un sens, ça a été un mal pour un bien. J'ai quand même connu toi, j'ai connu Seb, j'ai connu Nico, j'ai connu Sid. Sid, franchement, à un moment, j'allais plus sur Sid qu'aller voir sa chaîne à lui. Pour rien. Oh, c'est bizarre, sa bichette. Et comme je disais tout la dernière fois sur le stream de débrief, j'ai dit moi, j'avoue que il y a des choses qui ont été dites, j'ai ouvert les yeux. Voilà. Moi comme j'ai dit à Kills, de leur côté, il n'y a rien que je regrette. Tu vois, même si le geste et tout que j'ai fait vers la fin, je le regrette pas. Moi par contre ce que je disais c'est que moi c'est j'ai rencontré des gens et en fait je me disais je me tairais trop sur la TDV. Pour moi, eux, c'était eux les prioritaires. Et en fait, j'ai dit, en fait, Seb et Bichette, j'ai dit, eux, c'est mes amis, mais j'ai dit, t'es mieux. Alors que eux, ils ne donnaient pas de nouvelles. Donc au final, c'est débile de s'attacher à des personnes qui ne donnent pas de nouvelles. Et à la fin, je disais la dernière fois, comme je disais à Kiel, je disais, moi, ce qui m'a fait chier, c'est le pire d'avoir pris la tête avec Seb et Bichette, alors que eux, ils sont quand même venus me voir.
J'y ai eu des gestes. Ils ont pris mon gamin dans les bras. Ils ont demandé des nouvelles. Quand je les ai leur parlé et tout, quand je les ai au vocal, ils prennent des nouvelles de mon gosse. Puis voilà, c'est une vraie amitié, quoi. Un suivi, quoi. C'est le gosse, il est là, il demande des nouvelles, comment va là, comment ça va, nanana, voilà. Ça devrait devenir de leur côté. Non, bon bah arrive un moment, voilà, il y a une personne qui me l'a dit, donc Seb. Seb quand il me l'a dit, j'ai fait ouais, mais j'ai pas besoin de ça, tu sais, pour avancer dans la vie, tu vois, je sais que c'est mes amis, voilà. Et en fait au final je l'ai tellement pensé dans la tête. Il arrive un jour, je dis mais en fait il a raison. Il a 100% raison. J'ai le gars il m'a dit ça un soir, j'ai cogité un petit peu, mais je dis vas-y non, c'est que dalle. Et un jour je me suis dit mais en fait il a raison. Ils sont jamais pris de nouvelles, ils sont jamais venus voir mon gamin, donc ça veut dire qu'en fait ils en ont rien à foutre. Ils sont jamais venus chez moi quand on leur proposait de venir, c'est ils répondent jamais. Le mec tu lui envoies des snaps, il te met en vue, il te répond même pas, puis toi quand tu lui fais il aime pas. Bah mon pote faut arrêter, c'est dans les deux sens. C'est bon quoi. Donc maintenant j'ai ouvert les yeux un peu trop tard, mais la vérité si j'avais su je les aurais ouvert bien en avant. Parce que la discussion qu'on avait eue tous les soirs et tout en vocaux, qu'on se disait ouais mais tu te rends compte quand même ce qu'ils font c'est pas bien et tout nanana, puis que je disais wow, c'est pas grave, du moment que c'est pas ça me touche pas, je m'en fous. En fait si, parce qu'en fait j'ai cautionné des conneries qui me ressemblent pas quoi. Donc ouais le prince de Perse MDR ça me fait trop rigoler, ils l'ont mis sur un piédestal alors qu'ils l'ont jamais vu. Maintenant j'ai envie de leur dire laisse mon fils tranquille, il vaut mieux largement mieux que vous. Non mais franchement je suis dégoûté, il y a trop de trucs que je suis passé à côté quoi, ça me dégoûte. Et le pire c'est que quand vous êtes venu, hein, je vous le dis, hein, le pire que c'est quand vous êtes venu, Pixab il m'a dit demande-leur de venir. Dans ma tête c'est moi qui avais déjà aimé une avant, le fais pas, ils viendront. De toute façon ils sont jamais venus, je vous le dis tout de suite. Ils sont jamais venus, ils en ont rien à foutre. Tu vois, c'est qu'en fait Seb peu de temps après il me dit ça. Et dans ma tête, je me suis dit, le mec, tu vois, j'ai rien dit, il a réussi à penser ce que moi je pensais dans ma tête, quoi. Voilà, par avoir un moment. C'est quoi là quoi, c'est le mec c'est un gros mytho, puis maintenant faut moi je veux lâcher l'affaire à tout son. Attention j'ai lâché l'affaire. Mais c'est quand je vois des choses. Merde. Quand je vois des choses qui sont comme ça, des gros mythos comme ça, je peux même pas, c'est impossible. Là, dire qu'il est robeux, quand il a au téléphone aimé, il a dit que sa meuf a été enceinte. Waouh c'est chaud mon pote. C'est chaud. En fait mentir sur ce point là c'est quand même dangereux quoi. Ouais. Oh. Je vais flipper, tu vois. Je vais juste flipper, c'est passé. C'est là, non? Ah, c'est juste, je dois. Ouais, bah oui, c'est ça, je dois aller à un point à l'autre. Avec du monde sur la route quoi. Oh l'orage. Il me reste 1,8 km à faire en 40 secondes, c'est faisable. Ah oui, parce qu'en fait j'avais pris avec moi, Emmanuel allait rentrer de faire les courses et tout, et il était avec moi dans le lit, à la place de sa mère, et puis il commençait un petit peu à pleurer, donc c'est qu'il était, il arrivait sur ça, comment dire, sur l'heure de dormir. Du coup, c'était quand même un moment qu'il était pas, qu'il avait pas dormi, parce qu'en fait, je l'ai réveillé, il devait être 11h, il a mangé à midi, et après une fois qu'il a digéré et tout, moi j'ai eu le temps de manger, je me suis habillé, et on est parti se balader, il a dormi quoi, une demi-heure
C'est-à-dire, je suis parti chez moi, il était 1h30, il a dû se réveiller à 14h. Donc il a dormi de 1h30 à 14h, de 14h jusqu'à 17h, il dormait plus. Donc, là, je t'entends dire qu'il a rincé, là. Oui, c'est le Hot Pursuit de PS... Ah non, c'est le Hot Pursuit qui était sorti sur PS3 et 360. Seb, ce jeu-là, il date de... Si je dis pas de conneries... Il date de... Fin 2010. Fin 2010, parce que j'étais pas encore avec Emeline, mais je lui parlais. Je me rappelle, elle m'a envoyé des messages, elle m'a appelé, je lui jouais. Donc le jeu, il date de fin 2010. Donc il a plus de 10 ans. Ils l'ont remaster sur bah là sur ces consoles là, mais je m'en rappelais plus comment il était, mais il est cool, ça va, mais après c'est de l'arcade hein, c'est pas de la simu comme moi je fais d'habitude hein. 300, donc là la bloc à 2,59, pas terrible, 2,57, ouais, 2,34, 2,14, top secret, 2,65, oh je prends elle. Oh, les bruits sont violents par contre des voitures. Ah celui-là je l'avais rodé à l'époque, je sais même plus où j'étais arrivé où, mais j'avais été assez loin quoi. Mais là c'est une c'est un test hein. Mais c'est vrai que j'aurais dû continuer à jouer au jeu vu que j'avais fait hier. Il me donne l'astrance quand même, tu sais, il m'avait saoulé mais il m'a donné l'astrance quand même. De trouver les énigmes et tout là. Bah Bichat t'as l'air à kiffer. Là j'ai des airs, c'est des barrières, des barrages, ok nickel. On lui dégage, allez. Allez, lui dégage. Une pierre trois couilles. Unité sur barrage routier en attente des coordonnées de la cible. Allez, ça dégage. Bon, reste un là en vrai. Ah, ils bombardent l'enculé. Ici, unité sur barrage, je suis sûr qu'il y a un accident à notre hauteur. Ah non, reste. Je le vois, mais ma voiture a pas mal de dégâts. On a eu cher. Ah, mais moi je crois que je mettais la R, ce. Ça le pétait quoi. Ah, derrière. Vas-y, dernier barrage. Là, tu dois être arche. Bon. Ah non, il est là. Vas-y, c'est bon, c'est bientôt fini. Ah putain de merde. Il a passé le barrage, il est toujours en fuite. Justement j'ai compris, il a passé le barrage, t'inquiète, je suis. Ouais, il reste 3 burns, putain ça allait vite. Celle-là elle a pas été terrible hein. Enfin, j'y arriverai pas, je crois pas. Ce mec l'a pris un raccourci. Au pire je recommencerai hein, c'est pas non plus grave hein. Non, il est où cet enfoiré là? Là il va ressortir devant moi. Oh c'est peut-être jouable. Oh, il bombarde là quand même là.
Allez, dégage. Je change de... La preuve de la PS5 en noir. Sans... Bah en noir, je préfère la jaune. Il est associé à la TDV. Oh putain, bah j'ai trop déçu. Complètement. TDV. Oh putain. Ah, je savais pas, mais putain, ça c'était une info, t'aurais pu la garder. Non, je rigole. Ah, franchement, j'ai trop déçu et j'ai trop le ban. Ah, mais en noir, Seb, je l'avais déjà vu ça. Les mecs, avant que ça sorte, les coques là qui se mettent à les. À enlever les coques blanches et à les repeindre en noir mat. Et franchement, en vrai, la PS5 en noir, je l'attendais qu'elle sorte, mais en vrai, je le ferais moi de la repeindre parce que en noir, c'est carrément plus joli. En blanc, je sais pas, je la trouve pas. Elle est belle, hein, mais en noir, je trouve ça plus joli. Ah, elle va surtout leur montrer des cavités oculaires. Ça, y a pas de mystère, ça. La cavité oculaire, elle est présente. Là, hein, tu regardes la voiture, il y en a déjà trois là. Là, je vois des cavités oculaires au niveau des jambes. J'ai envie de tester elle. Elle va bombarder sa grand-maman. C'est un 4 roues en plus. 194. Vas-y, je teste ça. En fait. J'ai trouvé ça sur Amazon. Ils vont pouvoir enquêter. Ah oui, sur Amazon, ouais. Bah, franchement, t'as le signe PlayStation dessus, Seb, en plus. La licorne en fumée aussi. Ah oui, Event, t'étais là quand on l'avait vu avec Kills. Ah oui, l'autre, la même limite, il voyait un drac au feu. Ah, des barres, j'étais pris ce jour-là. J'étais là sur Discord avec Kills, je regardais. Je me dis, mais non, mais là, c'est sérieux. Putain, des. UM, faut que je sois quoi, devant ou derrière pour la balancer de UM? On a juste à essayer de me mettre devant lui. Vos armes sont désactivées. Ah merde, fallait être devant lui, derrière lui. Je vais attendre qu'il repasse devant moi. À toutes les unités, nos armes sont en usage. Le suspect utilise un brouilleur. À toutes les unités, utilisation des IEM autorisés. Maintenant dans Alpedrive. À toutes les unités, vous pouvez utiliser vos IEM. Je répète, ce vert pour les IEM. Vas-y, tu sais quoi, je vais recommencer parce que là je crois que j'ai fait de la merde. Ouais, c'est tout. Oui, c'est tout noir. Pas de bloc. Ah, d'accord, ok. Je vais regarder leur merde depuis longtemps. Ah, mais là, Bichette, tu regardes. Là, les deux, trois dernières là que j'ai vite fait. Parce qu'il faut pas croire que je regarde. Hein. C'est juste pour zioter, voir les conneries qui sortent. Et tu regardes. Hein, tu regardes une minute, tu te mets une barre. Là, franchement, mais. Si franchement, il mettait autant d'énergie dans sa connerie qu'il faisait du contenu propre, il irait loin. Là, il fait de la merde de ouf. IEM activé, acquisition et verrouillage de la cible. J'y suis, je vais au contact. Peut-être tu prends une voiture plus puissante. Votre
nos armes ont été neutralisées. Nous dévions les communications. Il est où ce matin, là? À toutes les unités, vous pouvez utiliser vos IEM. Je répète, feu vert pour les IEM. Il est là. On va bien comprendre pourquoi je vais mettre une IEM sur ton cul, je crois. À toutes les unités, nos armes sont hors d'usage. Le suspect utilise un brouilleur. Casse les couilles avec son brouilleur, lui. Bon, en fait, je peux prendre une voiture plus puissante, je pense. Là, celle-là, elle est... Fils de pute! 2 minutes pour faire ça, c'est mort! Il est derrière moi, ce con! Non, laisse tomber. Je vais aller retourner vers Autolac et je vais reprendre une voiture plus puissante. Attends, je vais juste regarder. Donc, on est moins se taper en délire. C'est vraiment se taper en délire il n'y a pas très longtemps. Vas-y, ça marche. Ah, elle a pas oublié Bichette. Pire, je vais prendre celle-là. Ah, 297. Non, mais ça, je l'ai pas. Je l'ai pas d'abord. Ouais, mais j'avoue quoi, non. Tu peux te taper des délires quand même, non. Tu peux, hein. C'est fait pour. Hein. En même temps, j'ai envie de te dire. C'est la porte ouverte à toutes les conneries. Alors rien que je regarde la dernière vidéo qu'il a postée et tout, tu vois, je regardais, puis tu vois, j'ai encore les liens, dis-toi, alors que j'ai tout supprimé. Et là, tu vois, il parle robot. Mais non, c'est chaud. IEM activé, acquisition et verrouillage de la prise. 18, je mets au contact. Les armes sont désactivées, vous devrez faire sans jusqu'à ce que tout soit rétabli. À toutes les unités, utilisation des IEM autorisées. De la part, ça va pousser mieux quand même, tu le sens. Votre connexion satellite est perturbée par un brouilleur. Ne perdez pas le suspect de vue. À toutes les unités, vous pouvez utiliser vos IEM. Je répète, feu vert pour les IEM. L'IEM a manqué la cible. Oh, mais merde, putain! La voiture suspecte a subi beaucoup de dégâts. Ça sent la fin. Allez, nique ta race, demain. C'est la cavité oculaire qui a tout fait là. Le suspect est en état d'arrestation, les procédures sont en cours. Ouais, IEM c'est bien, mais bon, ouf, quoi, je préfère les Hers. Pas top, top, top. Ouais, c'est bon ça. Du coup, j'ai débloqué une bagnole. Ouais, et c'est quoi? La Mustang. Pas mal, pas mal. Voilà. Intercession rapide.
Intercession rapide, du coup je prends quoi à ma servie, la Porsche. En vrai, bah je vais tester la Shelby. La gravité avant tout. Ah putain, faut que j'arrête avec ça. Donc là, faut que je stoppe qui là? À toutes les unités, l'unité d'interception est arrivée sur zone. Vous pouvez ralentir. Bon, pour moi, je crois qu'il y a personne à arrêter. Hein. C'est vraiment faire une pointe jusqu'à là où il faut aller. Quoi. Il y a un des raccourcis que je peux prendre. Et voilà, je rentre dans le cul. Oh, c'est mort. Reste quoi? Oh, quoi que ça, je joue. Regarde-moi. Reste quoi, plus d'une minute? Ah, ah. J'avoue, tu vois, il y avait quand même des bons sons pour l'époque. Hein. Bon, après, je joue que Clean Space, ont toujours eu des bandes sons assez sympas. Je tiens à dire que les moustiques me bouffent la gueule. C'est que t'as le sang sucré, bichette. Arrête de sucre, tu verras qu'ils ne viendront plus. J'avoue que les moustiques en ce moment sont coriaces. Hein. La dernière fois, j'étais en short le soir là. D'heure. Je crois qu'il devait être 22h, oh, laisse tomber. Il te bouffe les gibbles. Alcoolisé aussi. Elle est pas mal. Je tiens à dire que je suis grammé, mais légèrement sur les bords. Je suis dans le... Je suis dans l'alcoolisme... total. La joie à l'état pur. La BMW Z4 S-Drive 35iS est l'interprétation moderne de grand récit. Là, c'est ça, caramélisé, carrément. Bichette, elle est bretonne, donc caramel beurre salé, CRP. Alors là, bouge pas. Là, on est bien. Ah, souille! Exactement, Bichette.
Putain, ça me rappelle trop de souvenirs comme ce jeu-là. Oh, y a cette vitesse sur celui-là. Ah, ce jeu-là, c'est vraiment arcade de ouf. Hein. Là, tu fais des dérapages comme ça en vrai, t'as le chien à faire 50 km/h et tu te tapes la rambarde. Là. Un cheveu, c'est même plus une épingle de nourrice. Voilà, peut-être pas abusé non plus. Là. C'est le frein à main. Ça. Oh mais merde. Oh, super, génial. Ah c'est bien pour ça. C'est stylé dans ce jeu là, c'est de mettre comme ça là, des gros forceurs là. Ah puis là, c'est bidon, c'est ce que je viens de faire. Dégage, 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 dégage. Oh, t'es pas le mytho. Oh, je vais te frôler celui-là. Tiens, suce-le. Alors là, je vous BD comme d'un foison, faut que je relise tout. La colo de base. On fait un Breton Arsui caramélisé. Il est où le Ricard là? Je suis à la DF, c'est le début ça, chin chin. Maintenant je finis, on se repose, santé. Après la fin, le réconfort, c'est ce que je me dis tous les soirs aussi. Oh, quel pilote. Merci Seb, mais c'est les murs qui m'ont surtout aidé. Et a raison Bichette, après l'effort, le réconfort. En parlant d'effort, je suis impressionné. J'ai été impressionné. En parlant d'effort, j'ai vraiment pas hâte au déménagement, putain. Ça c'est bien le moment le plus galère du déménagement, c'est de porter ton code. Mais bon, pas le choix. Hein. Si je pouvais faire comme... Comment s'appelle la naine, la Mimuachi, Joséphine, faire sa tac et... Doté de tous les progrès technologiques possibles et imaginables. Mais c'est ça, c'est les murs qui m'ont aidé. La Carrera GT, ils m'ont supporté, carrément. Doté d'un châssis autoporteur en fibre de carbone. Bon là, avec la Carrera GT avec le V10, ça va être mignon. Ça va être mignon. Oh le bruit, sa mère. M'attendais pas du tout à ça.
Là, quand je te disais que c'est un mur qui m'aide, c'est RP. Après, la tenue de route sur Need for Speed, elle est pas ouf. Hein. Oh, 112, putain, là, un encul d'avance là. Ah, parce qu'il y avait une 7ème. Merde, j'aurais dû prendre le passage. De bien aussi Bichette quand elle souille. Bichette quand elle rentre chez elle rentre au mur. Tu vois celle-là, ah bon là il y a un angle, faut tourner. Ah là. Ah là c'est chez moi. Ah oui là je suis bien. Ah là là. Attends, c'est à partir du quoi. Après il y a eu Burnout Paradise que je vais faire aussi. Enfin, je vais faire un test, hein, je le ferai pas entièrement. Là, si je dis pas de conneries, c'est ceux qui font. Comment dire, c'est ceux qui font Burnout, qu'ils ont travaillé sur celui-là, la Criterion, je pense, comme ça. Et c'est pour ça que là-dedans, tu peux faire des tech done et tout. En fait, c'est un Need for Speed Burnout, quoi. Course. Je peux choisir la voiture que je veux là. Ouais. Donc elle a fait 267, c'est ça, en vitesse de pointe, elle 234, 235, elle est lourde, 238, 267. Top secret. Ouais, enfin, t'es mort, top secret. Ouais, 200. Performante au quotidien. Du coupé qui a retourné tout son sang. Vous avez pensé le Burnout, mais Burnout c'était trop fort ça. Dans la vraie vie aussi. Burnout, dis-toi, c'était quand il était sorti le premier, j'ai dit ouais, ça va. Le 2 il est sorti, mais waouh, laisse tomber. Le 2 je crois que j'avais dormi dessus. Je séchais le collège pour aller y jouer et en plus je dormais chez mon frère en semaine, j'allais pas à l'école. Pour le faire fumer chez lui sur sa PS2. On faisait des championnats la nuit et tout, là, enfin on faisait des courses la nuit, laisse tomber. Petite décapotable. Oh la gueule! C'est Max Payne au volant quoi! Le truc là, elle a pas voulu partir. Mais dès qu'ils passent la 6, ils ont plus rien dans la rate, les voitures.
Oh le con. Non mais là. Je l'ai pré-shoot mon pet, j'ai cru qu'il allait arriver au fait, par contre non, il était vachement plus loin. Elle a un enculé la voiture en vrai. Qu'est-ce qu'ils sont mal étagés la boîte, enfin les boîtes sérieux. Là t'as la 11-6, t'as l'impression qu'elle a. Waouh, elle a été la chercher loin. Mais loin. Dans la cavité oculaire quoi, elle a été la chercher carrément. J'avais kiffé aussi, c'était énorme. Le 1, ouais, je me rappelle du 1, mais au fait, le 1, c'est, je m'attendais tellement à un truc de ouf quand j'étais jeune. Enfin, je l'avais pas eu personnellement, c'était mon frère qui l'avait acheté. Mais le 1, j'avais tellement attendu un truc ouf que quand il était sorti, je me suis dit, enfin, je me basais, en fait, à l'époque, je me basais que sur GTA. Je dis, ouais, mais ça a pas de forme, c'est pas GTA. Tout le monde me dit, ouais, c'est comme GTA, tu fous la merde et tout. Mais en fait, non. Donc, j'étais un peu déçu. J'avais joué, mais pas trop longtemps que ça au 1. Et le 2 quand il est sorti par contre, oh, laisse tomber. Le 2 je l'avais poncé de ouf. Ouais le 2 franchement ouais, il avait quand même bien marché. Waouh. J'ai que celle-là. Vas-y bah, je la prends. Bumblebee. Quand la frontière. Bah, tiens je vais la laisser en Bumblebee. CRP Transformers. Après 7 ans d'absence dans le catalogue du manufacturier. CRP. Ah, ça me gratte le dos. Allez, c'est parti. Putain lâche-moi, putain lâche-moi. Ah j'ai des boîtes de pare-choc à l'arrière, la voiture en a un problème.
sont tapés derrière. Ah, regarde, elle est mal étagée la boîte, putain. Là, si ça a du mal à passer, merde. Putain de sa mère. Je vais prendre les droits d'auteur avec les IQ. Ah, ça se peut, ça, oui, c'est vrai, ça se peut, oui, exact. Ça se peut très bien, ça, ouais. Parce qu'à mon avis, c'est des musiques de make-up, bah, des vrais, quoi, qui sont sorties, donc à mon avis, il va y avoir des copyrights. Bon, après, tant pis, hein. Là, c'est même étonnant que tu les entendes, parce que justement, quand ils sont vraiment copyrights, tu les entends pas dans le jeu. C'est le pire. Logiquement, si c'était réellement copyright, tu l'entendrais pas, mais là, apparemment, tu l'entends. Poursuite infernale. Admirer les trucs décapotables italiennes puissantes. Ok, on va tester de toute façon. La police de Secret County est. Du signal goût déjà. Pour combattre je suis dans la merde. Code, votre voiture a un système putain, mais non. Une fois que maintenant je suis dans l'ordre, j'ai une voiture avec une carte grise faite, assurance. Tout fait dans les règles de l'art, merde alors. Pour réussir à l'atteindre, vous devez tout d'abord verrouiller cette cible. Une fois l'impulsion envoyée, vous devez ne pas vous faire distancer par la cible et ne pas la perdre de vue pour que le système de suivi reste activé. Ah, mais ça je sais, le système d'IEM, je l'ai fait tout à l'heure, tranquille. Sale traître! Au cachot. Ah bah là ouais, là je suis dans la merde là. 283. Ah, contre sa vie, je m'en fous. C'est pas grave, tant pis, hein, j'irai en prison, et puis bah j'aurai pas mon passe sanitaire, donc bah. Je pourrais même pas y aller. Imagine. Bah non, vous n'avez pas en prison, vous n'avez pas votre poste sanitaire. Ah bah c'est RP. Ah bah moi ça me va. Alors là moi je veux. Ah les keufs sont la merde. Ah, ah. Wow, ça merde, j'ai sucé le pare-choc. Quand t'es fait cocu, je veux pas me rester à la mutation, quoi. Ça peut être logique un petit peu, les cocos. Oh,
Ers, par contre, si là tu passes, je mets une IEM dans la gueule. Détection d'un signal de verrouillage IEM. Essayez de lui échapper. Oh, fils de... Mais nique ta mère! Oh, je vais les enculer. Oh, vas-y, nique ta mère. Ça sert à rien, de toute façon, le team m'a fait fumer. Putain, non, culé, merde! Mais on sent qu'ils sont du pass sanitaire, ils sont pas fous. Moi, donc, par contre, il reste de choper 9000 balles d'amende et un an de tôle pour pas être ok sur le sur des salariés. Ah ouais? À défaut d'être. Putain, gros, ils te la mettent bien dans tous les sens, hein. C'est chou, hein, l'histoire du vaccin là pour le taf et tout. Putain, j'étais pas loin de. J'étais presque arrivé, puis il fallait que l'autre il me rentre dedans là. Là. Je vais y mettre une UM dans la gueule dès le départ. J'approche un groupe de voitures en excès de vitesse, je vais les rattraper. Je l'ai pas vu. Détection d'un signal de verrouillage IEM. Essayez de lui échapper. Ah, mais ça fait juste une UM, c'est pas ouf. Ici, unité sur barrage. Le suspect vient d'avoir un accident à notre hauteur. Allez, ta mère. Oh, la petite voix douce qu'elle a quand elle a dit ça, la R disponible. Oh, je gueule. T'enflamme pas. Ah, ah, ah. Mais non. Oh, bah on s'est éclaté tous les deux, nickel. Oh, le seum. Mais là, tu es à côté des flics, c'est leur pote ou quoi? Bah oui, il faut. Enfin, je sais parce que votre F c'est compliqué. Oui, je me doute. J'avais RDF juridique pour ma première dose. Bah, j'ai annulé. Voilà. Ah, t'as annulé? Ah, mais du coup, ça va être chaud, bichette. Si t'annules, ils vont faire comment ton taf? Ça va pas marcher. Après, en vrai, moi je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui me saoule, c'est parce que ça va me tricker mes vacances. Je peux pas aller chez ma soeur à Paris. En fait, en gros, je peux rien faire. T'es un recul de la société. Même pour aller dans une foire, tu peux même pas rentrer.
Sachant qu'elle va nous inviter tout le temps au resto, je peux même pas aller au resto. Oh, c'est infâme. C'est en vrai, ouais. Ça fait chier ça les doses en vrai. Moi j'aurais bien aimé pas me faire vacciner en vrai. Ça me saoule hein, de le faire. Je vais être obligé de poser mes deux dernières semaines de vac de l'année. Ah d'accord. Ah mais après du coup tu vas quand tu vas taffer tu pourras ça va être chaud non parce que ils demandent dans ce milieu-là d'être vacciné. Centrale, je me rappelle de celle-là. Les collègues demandent du renfort sur Fox Lerma. La case des reins, ça va remonter dans la forêt et tout. On demande toutes les unités, la situation est urgente. Ouais, super. Ouais, quand tu commences comme ça, ça donne vachement envie de continuer quand même. Ah, c'est un gratte ça, mais la pute. Comme ça, je me laisse une image, mais oui, je vais sûrement être G. Après, pas payé. Ah, d'accord, ok. Ah, payé. Super, génial. C'est vraiment des enfoirés. Bah, en fait, ils poussent les gens à se faire vacciner, c'est relou. On demande toutes les unités, la situation est urgente. Bien. Oh non, mais ne me mets pas deux secondes dans la gueule, déjà que j'en ai pas beaucoup, tranquille. Cascade au loin, les bêtes! Ça met un pute! Mais non! Oh non, c'est mort! Je peux pas faire au taf en ce moment à cause de ça, niveau compagnon. Oui, bah ça, je me doute, ouais. Puis là, je suis la seule pas vaccinée au taf. Du coup, j'étais dans le tube. Bref, on verra. En vrai, si à mon taf, ils avaient tous dit fuck off au vaccin, on aurait pu esquiver. Ah, bah c'est ça. Ah, mais dans ce truc là, t'en as toujours un qui valait la facilité. Donc, tu lui dis, ouais, il faut que tu te fasses vacciner. Bah, ils vont faire, ah, si, bah, moi, c'est bon, je me fais vacciner. Enfin, tu vois, il va direct quoi, il cherche pas à réfléchir à tout, c'est direct qu'ils vont à la solution la plus rapide histoire de. Pour pas être soit licencié quand ils avaient dit ça. Mais en gros, c'était ça quoi. Ils cherchent à aller au plus simple, sauf que c'est pas forcément la merde. Vous accédez au plus haut niveau des renforts sur. En mettant un sous, je pense que le vaccin n'est pas nécessaire. Bah en vrai, quand t'es caramélisé, pichette, y'a moyen. Oh stylé l'hélicoptère ça, c'est mortel, j'adore. Du coup, je prends quoi comme voiture? Bah la TTRS, j'aurais bien prise, mais bah... Bah ouais, tu dis pas besoin de vaccin, tu dis je viens avec 5 grammes dans chaque paupière. Là, il y a aucun microbe qui s'attache à toi. Hein. Dès que ça commence à toucher le microbe, il tombe par terre direct. Hein. Il est désinfecté le bordel.
mec, posez un truc là, les connards. Ah, voilà. Le suspect a largué une ER. Soyez prudents. Nos armes sont désactivées. Le contact direct est autorisé. Nos armes sont en service. Utilise un brouilleur. La voiture est... Renfort aérien prêt pour intervenir. En attendant... Ah, nest c'est niqué. Ah oui, tu dis ouais, j'ai de la vodka, j'ai du rhum, j'ai tout ce que tu veux, des bières dans le sang. La main seringue, la seringue prend feu. Le sang n'est même plus rouge. Le truc il est en break carrément, tu vois, c'est du sky. 10 ans d'âge. Il va faire ouf, putain, grande cuvée, c'est chaud. La seringue à fond direct. Ça fait... Oh putain, il y a de la fumée, c'est chaud. Ah ouais, il y a moyen. Aperçu, je le fais. Oh, Bugatti Veyron, oh, le truc ingérable. Parle vraiment que je termine quand même Doom. Putain, depuis le temps que je le dis, c'est un mythe, hein, la fin de Doom. L'unité d'interception est sur zone. Ralentissez. Mais non, mais on perd 2 secondes, putain, j'ai jamais peur. Mais je suis con. La voiture, je la vois, puis je continue. Oh mais non, mais je suis vraiment trompé. Je pourrais me décaler, mais je cherche pas ses mains. Ouais, une plateforme. Ah, fait chier, merde, j'étais bien là. J'étais bien parti là. Fuck off. C'est la faute du jean, la putain, merde. Ah, si, là. On demande toutes les unités, la situation est urgente. Oh là 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 là. Je sens qu'elle va être relou celle-là, je sais pas pourquoi. Bon, en même temps, là je prends un sens inverse, l'autre je l'ai pas vu arriver. Faut pas que je me tape ta bagnole, si je me tape une bagnole c'est fini. Ça me prendra trop de temps pour repartir.
On demande toutes les unités. La situation est urgente. Oh mais vas-y putain de merde. Au pire prendre 2 secondes ça me dérange pas mais. Ah fait chier la bagnole. Attends, là. Fuck off. On demande toutes les unités, la situation est urgente. C'est ça, avec les bannes, je suis tapé là. Galère ça de... Elle va être enfumée. Ah bah ça... Putain ça me gave. Sérieux, je suis pas loin de la fin quoi mais... Oh, c'est chier de meilleur. On demande toutes les unités, la situation est urgente. Bah la situation est urgente mais bon la circulation elle est importante aussi quoi. Et voilà, 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 c'est là je suis en train de me le dire dans ma tête, mais putain mais. Le jeu vous êtes con quoi, vous mettez une bagnole en haut d'un virage sans visibilité. Moi je me la tape, c'est obligé quoi, je sais pas, je la vois au dernier moment. Neuf.
C'est ça, tu vois, que j'aime pas trop dans les Need for Speed à des moments quand il y a des trucs comme ça là. À l'époque, moi, il faisait vriller, hein. Je pétais des câbles, je faisais nique ta mère! Je lançais des manettes et tout. Ah ouais, quand tu pètes un câble comme ça sur un jeu là, tu passes une heure sur un truc. Wow. C'est infâme. À la fin, ça te dégoûte du jeu, quoi. Laisse tomber. Bah, les flics, ouais, c'est bon. Je fais ma dose. Aperçu. McLaren vous invite à essayer la F1. Je trouve ça va être pire, je vais m'énerver dessus aussi. Dessinée par l'équipe de Gordon Murray, la McLaren F1 a détenu pendant 7 ans le record de vitesse pour une voiture. Ah. Donc là, il faut faire quoi? 3 minutes 8. Waouh. Sans taper un truc. Si tu tapes un truc, bien sûr. Parallèlement à la course, c'est ce que je viens de prendre. Il me reste moins d'un kilomètre, donc il va falloir que je prenne des raccourcis. Attends, on va commencer la montagne, c'est ça, là je vais au ski. Raccourci, est-ce que j'ai pas le choix?
Oh mais merde. Là y'a un petit raccourci là. Ça fait gagner du temps mais... J'essaye une fois encore, puis si ça marche pas, j'arrête en dessous. Je vais mettre les chaînes. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais mettre les chaînes pour crocher. Si, mais je suis pas remarqué parce que vu la courbe que ça prend. Désolé, j'ai refait l'hélicoptère. Oh ta mère la pute. J'étais pas loin, donc ça je connais l'itinéraire à prendre. Voilà. Juste qu'à mon avis j'ai dû ripper quelque part où j'aurais pu gagner du temps.
Oh, je sais. Un centième. Comment dire que j'ai le seum? Un centième. Ah, je retente après, je rate l'un. La vérité. Ah, le bâtard. Ah, tu laisses comme ça, ça. Je m'en fous, ta gueule, tu sais. Allez, ferme ta gueule, c'est pas un dialogue. Putain de un centième. J'y étais, hein. Là, clairement, j'avais pris le. Enfin, j'avais pris à deux, trois endroits, mais. Oh non, putain, j'avais la merde. Putain, un centième. Ça, c'est, ça te fout le mort. Allez, nique ta mère. Ah, putain de merde, comment j'ai le mort, un centième. C'est pas, tu vois, j'avais au moins 3 ou 4, tu vois, je me suis dit, bon, ouais, c'est tombé, là, je lâche l'affaire, hein, j'y arrive pas. Mais là, un putain de centième. Mais oui, là, c'est joué à quoi? C'est joué à un pixel, en fait, j'étais déjà arrivé, arrêtez de vous sortir des mythos, là. Là, je peux recommencer, c'est déjà que si là je foire là, c'est mort. Mais oui, genre là j'avais la médaille d'or, mais moi je me suis dit waouh, je l'ai! Et non. Bon allez, j'espère que ça vient.
C'est bon. Faut que j'arrive déjà à l'entrée de la courbe là-haut au fond à moins de 3 minutes. Oh putain, ça me gave. Je vais revoir de jeter sur des trucs de merde comme ça. Là juste voilà, j'ai coupé sur pas mal d'endroits, en fait j'aurais pas pu, c'était bon. Allez, nique ta mère, voilà, ça me saoule. Qu'est-ce que t'as, toi? Coucou. Ça me gave, coucou, toi. Là, je vais pas y arriver, hein, depuis tout à l'heure, je galère. Coucou, mon fils. Bébé. Tu fais des sourires. Ah, c'est tendu, j'ai chaud de ouf, là. Allez, putain, quand je vois que ça commence comme ça, ça y est. Laisse tomber. J'ai chaud. Ah, mon fils, j'ai chaud. Mais oui, t'en fous de l'euro, toi. Putain, je m'en tape des crampes dans le torse, quoi. T'as vu, c'est chaud quand même, hein. Au lieu de prendre large, faut que j'aille sucer le grillage. Hein. Bon, j'ai pas à minuit, j'ai fini. Coucou bébé, va aller. Maman? Non, même pas, je fais 10 minutes, tu parles pas. Maman? Sale fou. Ouais. Bon, allez, cette fois-ci, c'est la bonne. 10 secondes plus tard, je peux pas. Je te l'ai dit, je l'ai prédit.
chaud. C'est chaud. Je devrais faire comme eux, faire des enquêtes, j'arrive après. Eh mais toi t'es heureux, toi t'en fous toi. Tu le fais pas. Marc, ça se trouve qu'il y arrivera lui, il n'a pas ma place. Allez. Mec, on s'est devenu un peu plus taquin les épreuves en danger. Hein. Je vois coin de l'œil qui est en train de me regarder. Et si je me frôle, enfin je me frotte. Je te vois mon fils. Hein. T'as ta grosse tête là. Mais putain, pourquoi je l'ai regardé? J'ai fait de la merde, j'étais large. Ah, tout à l'heure, pour moi, j'étais bien et j'étais pas large. Tentative 5. Ouais, ils sont gentils, hein. Mais pour moi, j'ai fait plus que 5 tentatives, hein. Attends, il est quelle heure, là ? Il va manger à 4h, 4h10 pour le départ, quoi. Oh, elle est archi belle. Ouais, il mange à 4h, donc là, 20h. De toute façon là je vais arrêter là. Il m'a gavé le jeu. Il m'a saoulé de ouf là. Wouah, j'ai chaud et j'ai mal au cœur. Enfin j'ai mal au cœur, ça me fait mal dans le torse quoi. Ah, alhamdoulilah. Ah ouais c'est refait ouais. Ah bon je vais aller me laver ouais mais Du coup Marlène s'il a chaud. Bébé Marlène il a pas chaud là. Il a pas chaud là Marlène. Parce que moi hier je le lave. Enfin depuis que je suis moi quand je le garde je le lave tous les soirs. Ouais sérieux là la fin C'était taquin hein, de la vérité hein. Franchement l'épreuve Waouh chaud. Comment m'a fait suer là. Ah bah c'est même plus une crampe là. Hein. Oh
Épreuve flic jouet 13 sur 63. Ah ouais, t'en as quand même beaucoup. Et là, épreuve pilote jouet 12 sur 78. Oh, j'en suis loin. Je suis loin de la fin. Ah, ce jeu-là, je vais le faire. C'est un petit jeu que je fais au quotidien quoi. Quand je vais finir. Quand je vais jouer à contrôle et puis que j'aurai fini contrôle. Tu as une session de contrôle parce que contrôle, il est bien, mais quand tu joues trop, il saoule. Bah, je jouerai à ça derrière. Ça détend un peu quoi. Après, ça peut t'énerver aussi en mode. Ça peut t'énerver aussi. Mais bon. Là, j'avoue que la course la dernière, elle a été taquin. Et en plus, je suis qu'à la 12ème sur 63. Alors, dis-toi qu'il doit y avoir pire dans le jeu. Là, c'était tendu. Mais en fait, en gros, le jeu te fait comprendre que quand tu crois que t'étais bon, j'arrive à 3,8,1. J'avais 1 centième de retard, c'est chaud. Et là, pour moi, j'avais fait que de la merde et j'arrive avec 3 secondes d'avance. C'est débile. Franchement, il n'y a aucune logique dans le jeu. Mais bon, après, c'est comme ça. Bon, bah, du coup, je vais arrêter là. Là, ça va faire déjà 2 heures. Et bah, si demain je. Demain, t'es de la même heure. Tu fais les mêmes heures, bébé? Oui. Ah, bah, après, on y va à quelle heure? Avant 20h. 19h. Ah bah je streamerai un peu demain là. Demain je vais faire le jeu là, Elon et Bourg. Je vais le faire demain ça pour les petites... les petites astuces et tout, enfin pas les astuces mais les petites énigmes à faire et tout. Là j'aimais bien Elon et Bourg. Donc je vais faire ça demain, puis après à mon avis l'autre jour je ferai le test sur Burnout Paradise. Puis bah après, il faudra que je termine Doom aussi. Et après, si j'ai plus internet, bah je recommencerai dans un mois. Donc bah merci, bonne soirée à vous, bonne app pour ceux qui vont manger, bonne douche, bonne tout ce que vous voulez. Puis bah à demain, des bisous. Ciao ciao.